Bienvenue à l'atelier. Pour la dernière vidéo du challenge Un jour, une décennie 1900, nous allons parler des fleurs dans l'art nouveau. Car des fleurs dans l'art nouveau, il y en a beaucoup. Des fleurs dans les estampes, des coquelicots sur les lampes, des chrysanthèmes chez William Morris, les fleurs contourées chez Macintosh, du muguet dans les cheveux, des fleurs pour s'éventer, des fleurs pour monter en haut. Des fleurs en fer, des fleurs en aquarelle, des fleurs en céramique. L'art nouveau, on l'aime, on l'adore, on en est nostalgique. Alors aujourd'hui, on prend nos fleurs et on repart en 1900. Modèle de beauté parfaite, l'art nouveau idéalise la fleur. Il la fantasme, il la réinvente. Mobilier devient végétal. On s'assoit sur des trèfles, on met des fleurs dans des fleurs, on s'éclaire glycine. On se repose narcisse, on se mire iris. Et parlons-en des iris. Iris en chaise, iris en vitrail, iris en bijoux. Recherche sur l'iris, on ne sait plus où donner de la tête. On lève les yeux, iris au plafond. Et que dire de son cousin le lys? Lys autour des vases, lys autour du cou. Lys poussant au pied d'une lampe, lys dans l'assiette et lys chez Mucha. Mucha, on l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais jamais pas du tout. Pas de pivoine pour Sarah Bernard, mais la palme de la victoire pour son rôle de Gismonda. Cerisier en fleurs pour Maud Adam, alias Jeanne d'Arc. Les iris font leur retour, encore et toujours. Printemps, été, automne, hiver. Les saisons se déclinent chez Maurice, designer textile, imprimeur, écrivain, poète, conférencier, peintre, dessinateur, architecte britannique. Membre de la confrérie Préraphaélite, il fait du végétal son principal sujet. Tissu, motif acanthe, anémone, grosses fleurs et petites fleurs, symétriques, sauvages, colorées, flore, mais aussi faune. Klimt aussi s'essaye à l'exercice. Fleurs multicolores, fleurs de tournesol, arbres spirales, fleurs dans les cheveux, fleurs de peau, fleurs de l'âge. Imaginaire chez Beardsley. Personnifié chez Crane. En façade chez Gaudi. En lampe chez Tiffany's. En étain chez Brato. En bracelet chez Lalique. En bois chez Galet. Fleurs en porte, en porte, en porte et en porte. Les fleurs voient la vie en rose. Il n'y a pas de rose sans épines, mais quelle rose! Rose Macintosh, rose grassée, rose fourde, rose Mucha, rose dôme. Mention honorable pour le muguet, le magnolia, l'hélébore et la capucine. La fleur dans l'art nouveau, c'est un motif qui revient encore et encore. On l'aime, on l'adore, on est in love.